Hey les gars, il y a un vrai problème. J'étais venu ici pour voir une révolution, la révolution de Dacia, la révolution du Bigster, là, celui-là. Et bah pourtant, bah il n'y a pas de révolution. Je suis comme décontenancé, un peu perdu. Bah ouais, le Bigster en réalité, c'est quoi? Bah c'est une sorte de gros Duster. C'est lui, le Bigster. Alors quand je vous dis gros Duster, je pèse mes mots, hein, parce que si vous venez voir le profil, on passe d'un SUV B à un SUV C. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est surtout là, cette partie-là qui a été rallongée. Et tel point rallongé qu'on atteint 4,57 m de longueur. Oui, on n'est plus du tout dans les mêmes bases. Là, on est dans un SUV capable de concurrencer les Tiguan, par exemple, ou les 3008, ou même son frère du groupe, le Renault Austral. Oui, sauf que bah, Duster, ils font pas les choses comme d'habitude, ils font pas les choses comme les autres. Il y a des vrais secrets. Des secrets bah, qu'il va falloir que je vous partage, parce que bah, mine de rien, si c'est pas la révolution, c'est quand même pas mal, encore une fois. Je vais vous expliquer ça. Alors la vraie révolution de ce Bigster se cache surtout sous le capot. Pourquoi? Parce que là comme ça vous dit rien. Mais ici là vous avez une nouvelle génération de moteur, le 1 litre de 3 cylindres turbo essence, 140 chevaux. Il est équipé d'une grosse batterie. Cette batterie elle sert à quoi? Bah, c'est la batterie 48 volts, ça sert pour le système donc de micro-hybridation. Donc vous avez un alterno-démarreur en plus qui travaille pour récupérer l'énergie, fournir de l'électricité un peu à tout le système. Mais surtout, encore une fois, la révolution, elle est où? Bah, c'est le fait qu'en plus, il peut carburer au GPL. Vous l'avez en version thermique et en version thermique plus GPL. 140 chevaux en essence, 130 chevaux en GPL. Ça, c'est une vraie première, un micro-hybride tournant au GPL. Jusqu'à présent, Dacia se contentait d'un petit 3 cylindres de 100 chevaux. L'autre grosse nouveauté et presque révolution, c'est le fait qu'ils ont aussi opté pour une version full hybride qui n'a plus rien à voir avec l'ancienne génération. Tout a été amélioré. L'ancienne génération, je parle du moteur du Duster. Parce qu'encore une fois, le Bigster, il faut vraiment le voir comme un gros Duster. Donc ici, vous avez une nouvelle génération de moteurs. Le 1 litre 6 qui servait vraiment de la machine hybride a été réalisé. Des courses plus longues. Une cube maintenant 1 litre 8. Son système de cycle de combustion a été amélioré par Atkinson. Donc on a gagné des chevaux. 107 chevaux, elle passe de 90 dans l'ancienne génération. Mais vous avez également une nouvelle batterie, avec une meilleure capacité. De mémoire, on est à 1,3 à vérifier quand même. Donc on a gagné 0,2. C'est écrit? Bah voilà, c'est écrit là. 1,4. Mais parce que ça, c'est du brut. Après le net, en réalité, il y a une capacité, mais peu importe. Donc 0,2 plus que l'ancienne génération. Et donc, ça va nous permettre donc de rouler plus sur l'électrique, de récupérer plus d'énergie au freinage. Ça nous promet donc des consommations encore plus basses que d'habitude, alors que déjà le 140 chevaux est vraiment déjà reconnu pour ça. Mais ça va faire du bien au Bigster, comme il est un peu plus gros, et il fait quand même dans sa version hybride un peu plus d'une tonne 4, une tonne 4, 20, 30, quelque chose comme ça, bon, peu importe. Ça reste super léger pour la catégorie, encore une fois, parce qu'ils ont énormément travaillé ça, et que la plateforme qui sert, technique qui sert au Bigster, c'est la même que le Duster, mais en version rallongée. Encore une fois, c'est la même composante. Ils ont vraiment tout retravaillé. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Ah oui, l'autre chose, la révolution aussi qui se passe dedans, c'est que la boîte de vitesse n'est plus la même. Ils ont récupéré la boîte de vitesse de l'ETEC 200 chevaux que vous avez sur les Austral et sur l'Espace, donc beaucoup plus moderne, qui permet aussi de régénérer plus, d'aller plus vite, donc plein mal de choses. Non, non, c'est un vrai nouveau moteur qui il me tarde de l'essayer, parce que là, voilà, on est sur du 155 chevaux et franchement, je pense qu'il va vraiment faire des merveilles sur ce Bigster. Il est quand même temps de faire un petit point sur le style, parce que bon, ok, je plaisante sur le fait que c'est un grand Duster, il y a quand même un peu plus d'évolution que ça. Bon, le Bigster, ce grand Duster, que je suis mesquin, non, non, c'est une vraie nouveauté, c'est juste vraiment
extrêmement réussi. L'un des points forts de Dacia aujourd'hui, c'est quoi? C'est son style. Alors que moi, je me souviens à l'époque de la Logan, c'était certainement pas son style, son point fort à Dacia. Mais voilà, les gens de Renault ont extrêmement bien travaillé. Parce que quand vous voyez aujourd'hui ce Bigster, à aucun moment vous pensez que c'est du low cost. Vous avez vraiment un long capot, bien droit, qui se termine parfaitement là, sur cette petite bande. Là, c'est très simple, c'est très Range Rover dans l'idée, dans l'âme. Donc cette grille-là, et ici, là, c'est tout simple, un gros bouclier avec une grosse grille qui est ici agrémentée avec cette couleur un peu particulière parce que c'est la version extrême, là, ce cuivré que vous allez retrouver un peu partout. Et là, vous avez des optiques un peu placées ici. Là, vous voyez, c'est assez joli, c'est fin, c'est sportif et ça fait très robuste. Quand je vous parlais donc de cette finition extrême avec, voilà, avec la couleur particulière, vous l'avez la coque, et vous avez aussi sur ce petit renfort en plastique qui donne vraiment de l'élégance, qui coupe le style. Et d'ailleurs, en parlant de style, quand vous voyez là le profil, vous voyez que les panneaux sont très simples. Ils n'ont pas voulu faire de fioritures, ils n'ont pas voulu faire de choses un peu particulières. La seule chose où ils ont vraiment voulu installer pour émarquer la présence de la voiture, c'est évidemment les passages de roues, c'est les plastiques que vous avez en partie basse pour faire vraiment SUV, pour faire vraiment 4x4. Et c'est plutôt extrêmement bien réussi parce que voilà, ça longe et ça parcourt toute la ceinture basse de la voiture. Donc c'est plutôt très réussi. L'autre chose particulière qu'il faut retenir, c'est donc la porte arrière qui s'ouvre avec un montant dans le montant. Ça fait très Alfa Romeo. Et vous avez donc la possibilité d'avoir une couleur biton. Et donc couleur biton. Avec le toit en noir et ces petits appendices là qui est plutôt assez mignon, j'aime beaucoup, ça donne vraiment de la fierté au véhicule, donc on y est. Et en poupe, vous avez ces fameux optiques très duster dans l'âme, une malle massive très simple avec juste une petite bande là travaillée et qui est plutôt du plus bel effet. Et en partie basse, donc on revient sur les plastiques enveloppant alors ce qui est intéressant, si tu veux bien te rapprocher, c'est que ce sont des plastiques recyclés, ce sont des Starkel, et d'ailleurs ils sont mouchetés, c'est-à-dire qu'ils ont été assez loin pour qu'ils soient teints dans la masse, et si on le raye, bah, ils restent comme ça, et donc c'est pour ça que vous avez aussi un petit effet moucheté. Moi je trouve ça très élégant, et en plus c'est écologique, donc c'est du recyclé. Voilà l'ensemble de ce qu'il faut retenir de cette version donc du Bigster, mais on va passer à l'intérieur parce qu'il y a quand même des choses aussi à dire, et après j'ai une petite surprise pour la fin parce qu'on a même le droit à la version haut de gamme. Donc là, nous sommes à l'intérieur de la version extrême. Donc c'est la version baroudeur, en tout cas style baroudeur. Donc on retrouve là, l'effet cuivré un peu partout. Donc par exemple dans les aérateurs, mais c'est déjà un style qu'on avait déjà eu sur le Duster. Donc c'est pas une nouveauté tant que ça. Et d'ailleurs, en parlant de Duster, on retrouve la planche de bord du Duster. Voilà, c'est simple, efficace, c'est rectiligne. Vous avez le droit à un écran ici de 10,1 pouces et un cockpit digital de 10 pouces. Il est configurable, il est moderne et nouveauté, c'est qu'il est, il peut répliquer Google Maps si vous avez utilisé donc Android Auto ou Apple CarPlay. Donc c'est plutôt une très bonne chose. Vous pouvez avoir directement donc la navigation ici, comme les voitures beaucoup plus chères. Mais ça, c'est un autre sujet, on reviendra juste après. Là, vous avez aussi toute la simplicité et l'efficacité ergonomique de la voiture. Vous avez juste une petite bande ici pour les aérations. C'est extrêmement efficace. Pas besoin de tourner de tous les côtés. Et vous avez des rangements un peu partout. Et les fameux prises de câbles USB qui vont bien. Ici, nous sommes dans une version 4 motrices. Donc, on a le droit à la sélection des modes, c'est-à-dire donc voilà, éco, automatique, jusqu'au différent blocage de différentiel, évidemment, l'assistance de descente en pente. Comme c'est une version de 4x4, aujourd'hui on a le droit qu'à une boîte mécanique et un seul moteur, donc c'est le 1,2 litre 3 cylindres 140 chevaux, et donc une boîte mécanique. On le temps pour faire pour crapahuter, c'est plutôt sympa, donc on est plutôt bien.
L'autre chose qu'il faut savoir aussi, c'est que donc vous avez, ils ont énormément travaillé sur les sièges pour nous rendre vraiment quelque chose de joli. Donc ça, c'est, là aussi, il y a beaucoup de plastique recyclé dans ces sièges-là. Vous voyez le beau monogramme, il est couleur biton. Et si vous avez presque l'impression d'avoir du velours ou du nubu, quelque chose comme ça, mais non, non, c'est vraiment du plastique recyclé. Et il est surtout fait pour être lavable facilement. Bah, et comme c'est une version baroudeuse dans l'âme, on peut le nettoyer avec, avec de l'eau, du chiffon, donc c'est plutôt pas mal. Il faut juste que je vous montre l'arrière parce que c'est l'un des aspects les plus bluffants de cette Bigster et on comprend mieux pourquoi on va parler de Big. Bah, Big, c'est surtout à l'arrière que ça se ressent. Là, j'étais bien placé pour 1m80, je fais toujours 1m80 et regardez l'espace que j'ai aux jambes, c'est juste fabuleux pour cette gamme-là. Là, on est vraiment dans l'un des meilleurs ratios du marché, compté espace aux genoux de plus de 22 cm à fond. Et alors que là, si vous, comme je dis, vous mettez 1m80, 1m80, là, on est sur du 30-40 cm, c'est juste très très bien. On est plutôt pas trop mal installé. Et on profite maintenant, et c'est une nouveauté, d'un toit panoramique ouvrant. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi, c'est la nouveauté de ce Bigster. Donc c'est une première chez Dacia. Et quand je vous parle de Big, ok, il y a de la place devant, il y a de la place derrière, mais il y a aussi de la place dans la soute à bagages. La soute à bagages, le coffre, ici, on peut atteindre jusqu'à 667 litres. C'est, regardez, profond, c'est haut. Vous avez un plancher plat, mais si vous ouvrez, hop, vous avez des rangements. Donc là, c'est une version avec la roue. À savoir qu'on n'a pas encore les chiffres sur la version hybride qui va donc être un peu grévée, oui, parce qu'il y a la batterie qui sera dans le coin. Mais sinon, voilà, dans la version donc micro-hybride, on va avoir donc une version avec 667 litres de coffre. Cherchez pas, il n'y a pas mieux dans le segment. De mémoire, il n'y a pas mieux. Dans les SUV compacts de 4,57 m, il n'y a pas mieux. C'est vraiment là aussi un très bel effort fait par Dacia. Et l'autre chose qu'ils nous ont promis, c'est qu'ils nous ont promis que la voiture serait plutôt silencieuse. Un gros effort acoustique a été fait partout. Par exemple, on a un pare-brise acoustique, on a des renforts apparemment un peu partout. Et donc, ça promet d'avoir un véhicule qui roule en silence. Bon, moi je vous ai promis il y a quelques secondes une petite surprise. Et en effet, parce que si on a la version extrême qui est devant nous, on a surtout la version journée qui est de l'autre côté. Et là, il y a aussi pas mal de choses à vous dire. La version journée, c'est la version haut de gamme. Allez, on y va. Et ben voici notre belle surprise. Ici, donc, on est sur la version journée, donc celle qui est un peu plus haut de gamme, un peu plus luxueuse. Et d'ailleurs, tout commence par cette couleur exclusive. Ça sera forcément une option, mais là, ce bleu indigo lui donne vraiment du caractère plutôt super élégant. Ça, voilà, le côté donc robuste, mais presque chic. Et vous aurez aussi en option ces superbes jantes de 19 pouces. 19 pouces. En option, ça lui donne aussi, là, tu vois, un autre caractère, c'est plutôt assez sympa. Il y a évidemment donc ce fameux biton qui est, lui aussi, lui donne vraiment un autre caractère un peu différent. Moi, j'aime bien vraiment cette couleur, ça lui donne vraiment un côté chic, luxueux, ça va vraiment plaire. De vous dire d'autre avant de terminer, parce que là, on doit rebâcher pour les étrangers qui vont arriver derrière nous. Donc oui, il faut qu'on fasse un petit focus sur le prix aujourd'hui. Dacia annonce un prix de départ de 25 000 € sur le turbo essence 140 chevaux micro-hybride boîte mécanique. Sans en haut de gamme, non, en entrée de gamme hybride, full hybride, 155 chevaux, et ben on va être aux alentours de 30 000 €. Là aussi, ça va, donc c'est des prix qui sont totalement concurrentiels. On est sur quelque chose d'entre 8 à 10 000 euros moins cher que les concurrents potentiels sur ce segment. Donc oui, Dacia va vraiment cartonner. Moi, il me tarde d'en prendre le volant pour vraiment vous dire au niveau des sens de conduite, ce que ça donne, la sonorisation, toutes ces choses-là. Parce que bah, moi, je suis persuadé en réalité que la déception de départ, je voulais une révolution, bah, c'est juste
une innovation, c'est juste un modèle qui rentre dans la gamme des SUV segmentés, mais c'est une très belle proposition, jolie, bien foutue au niveau des motorisations, élégante même, elle a du caractère, c'est un peu un air de Range Rover encore une fois. Ouais, ils vont forcément cartonner, mais il faut vraiment savoir ce que ça donne sur la route pour avoir le cœur net, parce qu'à 25 000 euros et 30 000 euros, les gars, il va vraiment falloir se pencher sur Dacia et changer sa vision de Dacia d'ailleurs. Moi j'adore. Allez, à plus. Ciao.